Bad Trip, la vidéo, c'est beau! Parfois dans la vie, on aime faire des collections. Des collections de pièces, des collections de timbres, des collections de cartes Pokémon, enfin tout et n'importe quoi. Et puis, il y a des collections qui ne servent à rien. Remarque, la plupart des collections ne servent à rien. Mais il y a des collections à la merde. Et je fais une collection à la merde. C'est la collection des Coca-Cola régionaux. Et ça, c'est la classe. Je sais pas si aux États-Unis ils ont ça, mais en France, à un moment, il y a un mec qui a eu l'idée de faire un Coca régional. Et toutes les régions après l'ont fait. Alors à mon avis, ça a dû commencer soit en Corse, soit en Bretagne. Parce que bizarrement, les coca régionaux marchent plus dans les régions où les gens sont fiers de leur région. En fait, je me dis qu'avec cette phrase, je comprends que c'est pas si bizarre que ça. Pourquoi je fais une vidéo là-dessus? C'est parce que ce week-end, j'étais à Saint-Malo, en dédicace, et dans le festival, quand on demandait un coca, il n'y avait pas de vrai coca. Il n'y avait que du Braise Cola. Et je me suis rappelé qu'en Corse, dans certains restaurants, lorsque tu demandes un coca, les mecs t'apportent pas du coca. Des fois, tu sais, dans les bars, on te donne du Pepsi. Ça va. Mais là, il n'y a pas de Pepsi. C'est du Corsica Cola. Et le point commun de tous ces Coca-Cola régionaux, c'est que c'est dégueulasse. C'est de l'extrait de caramel avec beaucoup d'herbes, et c'est dégueulasse. À part les gens du coin qui te disent « Mais non, mais c'est aussi bon que du vrai coca !» Non, non, c'est pas aussi bon que du vrai coca. Tu aimes beaucoup ta région. Il y a une différence. Et tous ces gens, eh bien, ils font des packagings. Des packagings qui, bizarrement, ressemblent à Coca-Cola. C'est-à-dire qu'on reste toujours dans le rouge, blanc, noir. C'est bizarre, hein? Braise Cola. Alors, vraiment, là, beau packaging, belle bouteille. Hein, voilà. Sûrement beaucoup bu en Bretagne, le cola du Far West. Beaucoup d'humour. Le Far West, Far West. Franchement, c'est le plus joli, niveau design et tout ça. Et selon les gens, c'est le meilleur. Enfin, selon les Bretons. Montagna Cola, que je n'ai jamais bu. Hein. Halte là, les montagnards sont là. Alsace Cola, avec une fille à poil. Une Alsacienne à poil. Se boit très frais. Hein? Ou se boit pas du tout. Ça me touche particulièrement. Surtout qu'il y a un jeu de mots vraiment bien. Le Colardèche. Hein? 07. Ah. Avec un... On dirait que c'est la Corse, mais en fait c'est l'Ardèche. Ah. Colardèche. Avec des mecs quand même qui font du kayak sur le logo. Et pour finir, pas le moins bu, mais le plus dégueulasse, ce qui est bizarre, le Corsica Cola. Alors là, c'est le Corsica Cola Light, qui est la chose la plus immonde que j'ai eu à boire dans ma vie. C'est-à-dire que c'est de l'eau minérale avec, je pense, de l'extrait de caramel. C'est dégueulasse. Dégueulasse. Et alors ça, par contre, en Corse, t'en trouves partout. Partout. Et dans les magasins, en été, t'as des montagnes de Coca-Cola et à côté, la montagne de Corsica Cola est vide. C'était ma collection des boissons régionales que je vais jeter parce que j'ai plus de place. C'était dans mes toilettes et il faut que je fasse de la place car j'ai besoin de la place parce que quelqu'un va arriver chez moi. Pourtant, que la montagne est belle.